D'après une étude très sérieuse, si tu likes la vidéo et que tu t'abonnes à la chaîne Lug 4 et que tu actives toutes les notifications, tu gagneras un coffre légendaire. Bonjour à tous, j'espère que vous êtes tous très bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va ouvrir quelques petits coffres que j'ai. Quelques petits coffres qui sont intéressants. J'avais aussi, ouais, je peux vous montrer le petit coffre du défi classique si je perds. Bon, il n'y a pas grand chose, il n'y a que 3 cartes, donc je sais pas si je le ferai. On verra. Donc d'ailleurs, je vais demander des petits gobelins. Donc voilà, pack opening, puis après un 2v2 en live. On fera si on peut avec le clan et sinon bah, avec des personnes aléatoires. Donc là je donnais ça aussi. Voilà, c'est bon. Donc déjà premier coffre gratuit, on sait jamais. Des fois ça peut arriver. On a 3 cartes. On a 3 cartes. Alors vous savez maintenant depuis la mise à jour, donc depuis lundi, dès qu'il y a une légendaire, bah, la carte, enfin en gros il y aura le petit 1 va avoir une couleur multicolore en quelque sorte. Non. Non, attendez, attendez, si j'ai une légendaire là, 10 barbares d'élite, 2 TDE, non, de toute façon c'était pas possible. C'était pas possible que j'ai une légendaire parce que la dernière carte, comme je vous ai dit, c'était comme d'habitude, c'était pas une multicolore en quelque sorte, ou une carte où le petit 1 en bas, à la place du 0 ici, le petit 1, bah, il était en rouge bleu, un petit peu multicolore. Mais du coup ça fait quand même une épique, un petit PK, ça fait plaisir. Ah, j'ai le coffre de clan aussi, ouais, on va faire ça. Donc là, petit coffre en argent, 79 d'or. Un sorcier et 12 squelettes. On va faire le coffre en or. 242 d'or, un bélier, 10 bombardiers, 3 tours à bombes et donc 27 squelettes. Après, je trouve que au niveau des légendaires dans les coffres, vous savez maintenant, donc on peut savoir qu'on est légendaire avant d'ouvrir la carte. Je trouve que c'est un peu dommage de savoir avant. Mais par contre, la nouvelle animation, j'aime beaucoup. La nouvelle animation pour dès qu'on a une légendaire. Mais par contre, le fait que ça soit annoncé avant qu'on l'ouvre, c'est un petit peu dommage. Donc, 65 d'or, un bélier de combat, 12 esprits de feu, ok. Donc là, on va faire le coffre à couronne. Le coffre à couronne, de toute façon, c'est souvent pas très ouf, mais bon, des fois, ça peut arriver. Donc là, quasiment 600 d'or, 3 gemmes. Ouh, 3 gemmes, attention, ils sont généreux, là. 3 gobelins, 4 esprits de glace, 8 boules de feu, et donc 67 zap. Ok. C'est parti pour coffre à couronne, on a fait que 8 sur 10. Donc si j'ai 2 épiques et 20 rares avant la fin, j'aurai une légendaire de toute façon comme je vous ai dit. Maintenant, ça s'affiche avant. Donc 1200 d'or, 18 bombardiers, 5 béliers de combat, 41 esprits de glace, là c'est être chaud là, il n'y a pas cette carte encore. Là il faudrait, ouais c'est être chaud hein. 15 méga garou, il faudrait 2 épiques. Dommage, j'y ai cru. 119 chevaliers, il n'y a pas cette commune au début. J'ai cru parce que, ouais j'ai cru, mais bon, pas de légendaire du coup, épique, 2 gardes. Bon ça aurait quand même plaisir, hein, 2 gardes, mais bon, c'est pas ouf. C'est pas ouf, c'est pas ouf pour un petit coffre de saison, où on aurait pu faire beaucoup mieux que 8 sur 10, on aurait pu faire 10 sur 10. Donc là j'ai lancé déjà la 2v2, c'est parti donc, ok là un deck assez sympa. D'ailleurs j'ai vu qu'il y a des decks qui se ressemblent vraiment beaucoup en 2v2, et c'est assez impressionnant de voir qu'il y a des decks qui se ressemblent vraiment pas mal. Et qui sont vraiment beaucoup joués. Que ce soit bah, de mon équipe ou l'équipe adverse d'ailleurs. Hein. Mais c'est assez impressionnant. Donc pour l'instant, ok. J'ai pas assez, mais bon, ça va le faire. Ouh, attention, attention, attention. Ouais, c'est bon, nickel. C'est bon, nickel. Nickel, nickel, je prépare ça. Oh non, c'est bon. Ça va, on met le ballon. Donc là, je pense qu'on est bien parti quand même. Parce que, ouais, on est quand même bien parti. Ok, un petit canon. Ah, j'ai pas assez d'exa pour les flèches. Ah, par contre, le bûcheron, il va taper là. Ah non, c'est bon. Il va pas taper. Enfin je dis ah non c'est bon mais bon. C'est moins cool pour nous quoi. C'est moins cool pour nous. Parce que du coup il fait moins de dégâts. Enfin il fait pas du tout de dégâts d'ailleurs, il fait aucun dégât. Donc là, ok on va mettre les barbares ici. Donc lui il a quoi comme. Ok il a le géant, il a le fou, il a les flèches. Si tu veux mettre le géant, ouais mets le géant, voilà parfait ici. Moi je vais mettre les gargouilles. Nickel. Il a quoi là? Méga gargouille. Oh prends, il a utilisé les sorts de poison, ça c'est bien joué. Petit esprit de glace, ok, je vais mettre le canon ici. Ah, on a pas fait beaucoup de dégâts là sur la tour de gauche, c'est pas ouf. Donc là, il a le bourreau, il a la méga gargouille, il a le sort de foudre. Il pourrait lancer le sort de foudre de temps en temps, ça serait cool, je pense, de lancer le sort de foudre de temps en temps. Donc là, il va mettre le bûcheron, comme tu veux. Vas-y, mets le bûcheron. Non, plutôt, ouais, plutôt ça. Plutôt ça, je sais plus comment ça s'appelle la carte d'ailleurs, mais bon. C'est plutôt... Ouais, par contre, ils défendent bien. Oh là là, ils défendent bien. Ça va être chaud de gagner. Le bourreau, voilà.
Le bourreau, je cherchais le mot. C'est le bourreau. Donc là, ok, on va mettre ça ici, gobelin. Aïe aïe aïe, à gauche, t'as rien pour défendre à gauche. Ça va être chaud là, il a rien. Ouais, ça passe parce que la princesse est quand même relativement bien positionnée, mais à gauche, aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe, à gauche, parce que là, comme vous voyez, oh, j'aurais pas dû mettre la horde. Donc, oh là, là c'est bien joué. Là, le petit tir de foudre, j'ai bien aimé. Par contre, ah, ça détruit même pas le bourreau, c'est chaud quand même. Ça détruit même pas le bourreau au niveau 5. Assez impressionnant ça, tiens. Oh, ça c'est bien joué là, la boule de feu. Ça va être chaud de revenir là, ça va être chaud de revenir. Aïe aïe aïe, ben, il y a la tour. Ils ont la tour. Ils sont deux parce que, donc, ben, ils ont la tour. Ça va être chaud là. Aïe aïe aïe, ça fait que jouer des... Ça défend bien, ça défend bien, ça défend bien. Ballon à chaque fois, ballon canon. Sur cette glace, chevalet, ça défend, donc... C'est vrai qu'on peut pas faire grand chose là. Bah du coup, une défaite pour l'instant. Et bon, c'est pas grave, on va partir avec le clan, je pense, si je peux. S'il y a quelqu'un d'actif, on va partir avec, plutôt avec le clan. Donc ouais, là c'est dommage quand même. Je pense qu'on aurait pu peut-être ouais, chercher la victoire. On aurait pu. Je propose déjà un 2v2. Je vais juste voir ce que ça donne, les... regardez un petit peu là. Pour voir les 2v2, ouais, je voulais voir les, nombres, les cartes et tout. En fait, on voit pas les cartes. C'est dommage, je trouve. Pas voir les cartes. Ah si, c'est bon. Ok. Ok, ok. Mais je sais pas si... Ouais. Est-ce qu'on va voir là que... Non, je pense pas qu'on va voir, mais il y a des... Ah si, regardez là. Là, on voit à droite, il y a le même deck que celui-là, qui est... mince, moi je pourrais faire ça, je voulais faire. Donc comme je dis, il y a le même deck que celui qui... Attendez, alors on y est, que celui donc qui est ici. Qui est... Ouais, quasiment. Quasiment le même deck, en bas à gauche. Donc il y a des decks qui se ressemblent quand même, il y a des decks qui se ressemblent en 2vs2. D'ailleurs ouais, si vous voulez m'ajouter un ami, eh ben, je mettrai le lien en description, tiens. Je mettrai le lien en description, première ligne, ou deux, ouais, dans les premières lignes, je mettrai le lien pour m'ajouter un ami, si vous voulez. Mais là je pense que dans le clan ils sont pas là. Ouais, je pense qu'on va partir dans en aléatoire normal. On a plus de chances de trouver quelqu'un. Donc allez. Ok, mais son deck il est pas ouf, hein. Son deck il est pas ouf, il a le mortier en plus, je sais pas s'il joue très bien le mortier, j'espère, pour lui. Enfin, de toute façon, s'il a choisi ce deck là, normalement il gère le mortier, mais bon, ça me fait un petit peu peur ça. Ouh, j'ai raté les barbares, je voulais mettre les barbares tout devant, j'ai raté déjà, ça commence bien. Du coup, boule de feu, ok, ça c'est pas mal, mais il y a le géant royal qui va m'embêter. Mortier, ouais, ça passe. Ça passe le mortier, oh, pas mal ça. Oh non, on aurait pas dû mettre les flèches. T'aurais pas dû mettre les flèches. Et défend à gauche. Il défend pas à gauche, là ça va être chaud. Hein. Ça va être chaud parce que là il défend même pas à gauche. Ok, ouais, c'est pas mal. Pas mal, pas mal. Pour l'instant ça va, on est quand même bien. Le mortier qui tape. Qui fait un petit peu de dégâts. Ouais non c'est. Ouais, nickel la bûche. J'ai pas vu le chevaucheur. Le chevaucheur il s'est caché dans la masse, là, dans les... toutes les troupes que j'avais mis. Toutes les troupes que j'avais mis, ouais, donc du coup j'ai pas vu le chevaucheur de couchant. Donc là il l'a bien géré. Tu gères arc-coup d'air. Pas mal. Ça commence bien. On est contre Marco et Plungmeister. Donc ok, là ça se joue une petite fournaise. Je pense qu'il a une fournaise. Il doit avoir un petit molosse, un truc comme ça. C'est quasiment pas obligé, mais bon. Il doit avoir, je pense. Un petit molosse. Oh, j'aurais dû mettre le ballon à droite. J'ai pas vu qu'il avait la roquette là dans les mains. J'aurais dû. J'ai pas vu, c'est pas grave. Le ballon fait quand même un peu de dégâts, c'est le principal. Mets pas les flèches, mets pas les flèches. Je mets la princesse, tranquille. Ouais, par contre, là, il faut défendre. Ouais, la bûche, nickel. Nickel, la bûche, nickel, parfait. Parfait. Bon, on a eu la tour de droite en plus, c'est parfait aussi. Donc, en plus, il avait pas les flèches, je crois. Ah, peut-être qu'il les a mis à droite, j'ai pas vu. J'ai pas vu. Donc, la mineure. Ouais, moi, je défends pas contre ça, hein. C'est pas la peine. Là on va faire géant gargouille. Oh nickel. On va mettre les gargouilles. Oh non, mince, par contre ça j'ai mal joué. Enfin j'ai mal joué. C'est plutôt lui qui a bien défendu, mais sans trop savoir ce que j'allais mettre. Parce qu'il a mis le bourreau. Le bourreau relativement puissant. On va mettre les flèches par contre. Ouais, t'as mis la bûche. T'aurais pas dû mettre la bûche, c'est pas grave. C'est pas grave. Hop là. Oh, il y a le mortier. Ça joue canon mortier carrément.
Est-ce que ça serait cool qu'on fasse, ça serait cool qu'on fasse un petit 2-0 si possible? On va essayer ça, ouais. Ah, j'ai pas la princesse. Enfin, j'ai pas les flèches et la princesse, je l'ai pas. Du coup, ok. 10 secondes, ça va être chaud. Ça va être chaud dans 10 secondes de rattraper ça. Ouais, non, tant pis. Bon, ça fait quand même 1-0. On gagne, c'est le principal. Donc voilà, ouais. Dommage. Dommage, dommage, mais bon. C'est quand même pas mal. On a gagné. C'est le principal, on a gagné, donc voilà. Petit coffre en argent. Bon, voilà. Alors, par contre, ce qui est dommage, c'est qu'il y a écrit dans 5 jours que ça se finit le 2v2. Ça, je trouve que c'est dommage. Il devrait le laisser. Parce que je trouve que le 2v2, c'est vraiment pas mal pour ceux qui ont pas trop envie de monter en ladder ou ceux qui, ouais, ceux qui ont du mal. Pour avoir des coffres, ça peut être vraiment très très intéressant. Donc voilà. Mais en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Pas légendaire, quelques petites épiques, mais pas super intéressant. Ouh, on va monter le gobelin. J'allais, ouais, je me suis dit, tiens, ça, le gobelin, normalement, t'en as qu'à 1900 sur 5000, qu'à 1970. Et si j'en ai eu dans les coffres, ben, j'aurais eu dans la vente, dépassé, donc, enfin, en gros, j'aurais eu tout ce qu'il faut, quoi. J'aurais eu tous les gobelins qu'il faut. Et donc là, je peux. Donc là, je peux, j'en ai combien? Je peux pas voir pour l'instant. J'en ai combien là? Ah, j'en ai, voilà, j'en ai 5034 sur 5000. Normalement, avec les demandes de troupes, je devais en avoir 70, 4970. Bah, du coup, parfait, du coup, j'augmente les gobelins au niveau max. Dernière commune, je crois, au niveau max. Hein. Donc, 7 de dégâts en plus, 5 de dégâts par seconde en plus, 14 points de vie, 1600 d'XP en plus, ça c'est cool. Bah, du coup, toutes les communes niveau max. Il reste plus que le géant, le ballon et la princesse à mettre au niveau max. Et là, on y est. Hein. Un très très beau deck là, je trouve. Un très très beau deck. Il y a donc juste le géant et le ballon et la princesse. Le géant, je crois que c'est niveau 11. Le ballon, je crois que c'est niveau 8. Me semble au niveau max. Donc on est quand même relativement bien pour ce deck là. Qu'on a vraiment bien bien monté. Donc ça fait plutôt plaisir ça par contre. Donc voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu en bas de la vidéo, à commenter la vidéo, partager cette vidéo. On se retrouve donc pour une prochaine vidéo très bientôt. Et ciao ciao.